Et salut à tous, c'est CarlJS pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pizzeria. Donc c'est parti. Alors déjà pour créer une belle pizzeria, il vous faut de la grès, des briques. Donc moi c'est un pack urbain. Oui, pack urbain. Donc vous faites pas, vous prenez les mêmes objets en pack. Si vous n'avez pas le pack urbain ou nature, vous prenez les mêmes objets que moi, c'est pas grave. Ça fera un beau truc aussi. Donc après on prend du béton rouge et du béton jaune. Après on va prendre de la vitre foncée, noire, avec de la barrière tropicale. Et déjà ça bien pour commencer. Donc déjà, donc la structure. Donc ça dépend de combien vous voulez faire déjà. Donc par exemple, non, par exemple, on va en faire en 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Donc on fait 14 comme ça. Après déjà vous faites comme si c'était une belle fenêtre. Faites une fenêtre. Comme ça. Donc si vous voulez, je vais vous montrer vite fait la pizzeria, à quoi elle va ressembler. Donc voilà, ça c'est mon grand monde. Et la pizzeria elle est juste ici, là. Et c'est comme ça. Donc moi je change un peu, je mets de la grille à la place. Parce qu'on va faire exactement la même. Bon alors on y va, on va mettre... Aussi, si vous voulez, pour que ça fasse un truc, vous prenez ben, du teinté gris et vous mettez les vitres. Ça commence mal. Comme ça. Et comme ça. Donc là, on a une grosse baie vitrée déjà. Donc voilà. Après, qu'est-ce à part quoi on commence d'autre? Après, nous allons faire un truc de brique ici. Ça passe un truc comme ça. Et après, encore des briques. Donc les gars, si je vais un peu trop vite, je vous conseille de le faire en même temps. Hein. Mais si je vais un peu trop vite, vous faites pause à chaque fois. Après, là, vous posez, vous mettez la brique. Après, vous faites la vitre. Ah, c'est même un peu trop petit, je pense. Non, ça va. Enfin, on va voir, mais je pense que ça va. Ouais, pour une porte, ça passe. Ça passe. Donc voilà. Après, avec ça, donc, vous faites un écart, comme ça. Donc deux rouges, deux jaunes, 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 comme ça. Et vous faites le tour. Comme ça. Donc déjà moi je vous conseille, non, j'ai dit une bêtise, je vous conseille de faire comme ça déjà. Donc juste l'avant, moi je commence toujours par la structure, donc l'avant. Après vous faites une petite terrasse, c'est mieux, je l'ai pas fait sur l'autre mais je vais le rajouter. Donc si je serais où, je l'aurais fait en ça. Ouais, ça rend bien. C'est parti, on creuse. Voilà. Aussi les gars, dans une prochaine vidéo là, eh ben, je vais faire des séries, donc des séries sur une série sur
sur Ark et une série sur Minecraft. Donc deux jeux de survie. Sur Minecraft, je ferai la survie. Sur Ark, c'est la survie déjà. Donc voilà. Bon après là vous accélérez hein. Pas besoin de vous le dire. Si vous voyez je suis lent, vous accélérez. Voilà petite terrasse. Après on va faire le contour. Prends comme ça. Donc on va faire voilà comme ça. On reprend comme ça. Après la longueur, vous faites la longueur que vous voulez. Vous la voulez la grande, vous la faites grande, vous la faites petite, vous la faites petite, vous voulez la faire moyenne, vous la faites moyenne. À vous de décider. Déjà ça ressemble un peu à quelque chose. Alors on recommence ça. On recommence les bandes lettres rouges et jaunes. C'est un peu chiant de faire ça les bandes lettres là. Voilà, il y a un petit truc qui cloche. Alors c'est pas grave, on va faire un jaune, un rouge. Bon ça c'est pas gênant. Hein. Et voilà, ça se voit pas. On s'en fout un petit peu. Donc après moi je vous conseille de faire le tour comme ça. Comme ça vous ne mélangez pas les persos quand vous allez faire le tour. Faites ça quand si je fais ça vous comprendrez à la fin. Bon voilà, déjà ça a une tête un peu. Ça ressemble un peu à une pizzeria déjà avec les couleurs. Après donc voilà, là on vient à ce que je voulais vous dire. Pourquoi j'ai fait ça pour les mettre comme ça. Pour éviter d'en mettre deux et après voilà, vous avez compris. C'est un peu long à faire. Le toit. Il m'exclut, ouais, je suis exclu. Mais voilà. On a bientôt fini, hein.
Parfait, la place à fouler à N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dylan GT et Warfno et à CDM34, CDMGeeker34. Une très bonne vidéo. Donc l'arrière, vous recourez de pierre comme ça. Et sur les côtés, vous faites des vitres. Pour que ça soit bien, lumineux. Oh là là, ça m'énerve ça. C'est chiant de mettre des vitres. Désolé pour ma soeur, la conne qui fait que de crier là. Désolé. Et après, vous recouvrez ici de parquet. Donc, il faut creuser encore. N'hésitez pas à passer vos PSN en commentaire pour si vous jouez avec moi. C'est un peu chiant de couper les ailes parce que j'aime pas jouer comme ça. Alors on va faire ça. Ne vous inquiétez pas, ça va pas le laisser. Hein. Ouais, ça éclaire même pas, c'est merde. Marcel, c'est la place. On voit déjà un peu mieux. Bon, rien, ça me saoule. Bon, la mettre finie, c'est ce qu'on s'en souvient dans ce là. Voilà, on a fini. Plus qu'à mettre le parquet. Le parquet, je vous conseille de le mettre clair.
Pour vous accélérer, hein. Bloquez pas sur. Putain, ça me saoule, putain! C'est la place en face de la terre. C'est Marseille, gros, il un petit peu d'eau. Dernière couche. Enfin, donc déjà, et après on va finir par la petite pizza au-dessus. Donc pour la pizza, vous prenez ça et vous prenez de ça vraiment. Attendez, je vais vérifier 2 secondes. En fait, j'ai la photo de ma pizzeria. Ouais, normalement c'est ça. Ou alors un peu rouge. Normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Tu me rangeras. Allez, mais tu vas me prendre une question. Non, c'est pas ces. C'est pas ces blocs. On ira vite le voir sur ma pizzeria. Ah voilà, c'est du orange. J'avais raison, mais c'est pas celui-là. Après, si vous aimez pas la pizza, la faites pas au-dessus. Hein. Voilà, c'est droit. À vérifier que ce soit bien droit. Alors c'est. Celui-là. Voilà. Et là. Et pour la croûte, vous prenez du béton marron. Bon après ça c'est pas non plus voilà pizza, mais bon ça ressemble à une pizza. Bon voilà. Et pour l'intérieur, après l'intérieur vous faites comme vous voulez, mais bon. Moi c'est pas le plus magnifique, c'est pas très. Voilà. Donc le drapeau de l'Italie. Donc il faut vert, blanc, rouge. En gros, on va faire. Puis c'est pas ce vert. Vous faites trop bas, moi je fais ce qu'en bas.
et jusqu'en haut. Voilà, il y a là où vous faites des tailles. Désolé quand même pour ma mère là qui fait plus de cris derrière. Elle parle, elle crie, c'est génial. Donc vous faites 2-3 tables. Trois tables comme ça et comme ça, et là ici vous mettez un four, là je sais pas les faire les fours, vous regardez sur internet, je suis désolée, vous mettez un four, un truc, le paiement et tout, et dehors c'est pareil, vous mettez des tables. Vous mettez des petites tables et voilà. Moi j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, vous pouvez vous abonner, lâcher votre petit like et pourquoi pas partager. Et sur ce les gars, je vous dis ciao!